Wesh 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 les petits loups et les loups, nous sommes le mardi 18 août de l'année 2021, Philippe Sauquet. Alors généralement je suis plutôt Bernard Werber, les fourmis, le système n'est pas méchant, ne t'attaque pas au système, crée ton évolution. Il met le R de révolution entre parenthèses, mais là, alors que je suis quand même un moniteur auto-école, j'ai 450 000 km d'auto-école, j'ai, on va dire que, ils ont dépassé le fil rouge des limites de ma patience, donc je viens de faire un courrier que je vais envoyer, recommander avec AR, demain au directeur de la CPAM, de 16 rue de Lausanne à Strasbourg, il faut que je rectifie. Objet, demande de droit d'accès et de rectification aux enregistrements vocaux dont j'ai fait l'objet lors de mes récents appels au 36-46, cela depuis le 28 mai 2021. Tous les enregistrements ainsi que nom et prénom des personnes que j'ai eues en ligne. Monsieur, bonjour. Par la présente, je souhaite que vous me transmettiez les différents enregistrements vocaux sur le support informatique de votre choix, comme le prévoit la loi du 78-17 du 6 janvier 1978. Relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En copie, en lettres simples à la CNIL, bien cordialement, Philippe Stocker, PS. Merci de me retourner par courrier postal. Harry pourrait permettre de vous payer ce que prévoit la loi pour un tel traitement. Je crois que c'est du 4,95€, car je n'ai pas de carnet de chèque. Voilà, donc je suis pas encore l'abbé Pierre, quoi, face à la lourdeur. Des services administratifs de la Caisse primaire d'assurance maladie. C'est pas faute d'avoir... j'ai fait à l'époque une formation avec le groupe Négociance où on expliquait bien qu'il fallait un ententement commun. Ces gens-là m'ont dit au moins 5 ou 6 fois sur les enregistrements, donc je vais le prouver, par ça je vais leur envoyer la CNIL. Commission nationale informatique et liberté. Que le service expert allait me rappeler. Il ne rappelle jamais. Tout comme les pseudo-experts psychiatres devaient me rappeler pour me donner des explications quant aux saloperies de médicaments qu'on m'a prescrits, qui ont entraîné une situation de surendettement, que j'ai décidé de médiatiser. Voilà, end of, attention à mon genou, attention à mon dos. Très bon mardi.